Alors aujourd'hui, nouveau test et dernier test sur le jeu Winning Eleven 3 Final Version, plus connu sous le titre occidental de International Superstar Soccer 98, sorti en 1998 sur PS1, édité par Konami. Et comme je viens de vous le dire, ce sera le dernier test sur ce jeu parce que j'avais envie de, comment dirais-je, d'en finir. Voilà, c'est bon, on l'a fait tout le tour du jeu. Bon, on va y aller. Juste avant de vous quitter, on va juste, comment dirais-je, parce qu'il y a, alors, comme vous l'avez remarqué, il y avait certains modes de ce jeu, l'exhibition mode, les matchs amicaux, la ligue mode, probablement les championnats, la cup mode, probablement la coupe du monde, et les all-star match. Ouais, bon, j'attendrai d'ailleurs, on va juste voir ce que c'est. Mince, attends, parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire, attends. On va juste vérifier ce que c'est, puis sinon, c'est pas terrible, hein, on essaiera de voir si on pourra... Voilà, en fait, c'est une sorte de coupe, une qualification de coupe du monde ou quelque chose comme ça, j'ai pas eu le temps de vérifier. Mais c'est pas grave. Bah, écoutez, vous savez quoi, on va se faire un petit match amical avec des All-Stars, voilà. Comme ça, ça sera... Ce sera pas parfait. Alors le match All-Star, alors je vous explique, c'est une équipe européenne. D'ailleurs, on a tout ce qu'il faut. Équipe européenne, il y a l'Allemagne, l'Espagne, la Roumanie, l'Angleterre, la France, le Danemark. Et là, nous avons l'équipe mondiale qui est composée des équipes africaines, sud-américaines et asiatiques. Bon, allez, sans plus attendre, on va se faire un petit. C'est un petit match amical et ce sera le dernier test sur ce jeu. Et ça tombe bien, on avait des matchs 100% All-Star, avec des équipes en mode All-Star, on a perdu l'habitude d'en voir. Bon, je ne sais pas exactement où est-ce que nous sommes exactement, bon, dans quel stade on est. Bon, écoutez, on n'a qu'à dire qu'on est à Sao Paulo, au Brésil. Dire ce stade, je ne sais pas ce que c'est, mais il fait vraiment penser à un stade typiquement sud-américain, c'est... Et alors l'entrée des deux équipes entre la sélection européenne qui joue en bleu face à eux, la sélection mondiale qui joue en jaune et noir. Ouais, ça va, il y a pas mal de joueurs, ça va, je ne les connais pas tous, mais bon, peu importe. Allez, c'est parti pour ce petit match amical 100% All-Star entre la sélection européenne et la sélection mondiale. Bon, les joueurs de la sélection européenne qui jouent en bleu, je vous rappelle, et la sélection mondiale qui joue en jaune. Et c'est parti. Ah, ça va être ce qu'on peut appeler le clou du spectacle. C'est bon, on a fait tout le tour des équipes. Bon, j'ai pas tout montré, mais bon, c'est pas grave. Oh, attention! Est-ce que... Ouh, joli arrêt de cadet, c'est pas fini! Et c'est le but! Et au vu du score de la sélection mondiale, but signé... Alors, je me demande si c'est pas Ronaldo, le Brésilien. Quand je dis Ronaldo, je parle de celui qui a représenté le Brésil. La sélection brésilienne et l'équipe usée, l'attaquant vedette de la sélection brésilienne des années 90. Ah, là, je pense que c'est pas Zidane. Bierhoff. Qui passe à secours le. Attention, est-ce qu'il y en a? Ça passe juste au-dessus de la cage du gardien. Ah, quel dommage. Et toujours 1-0 pour la sélection mondiale. Super, on démarre au quart de tour. Ça va bien. Et on continue à se batailler pour la possession du ballon. David. Zidane. Repris par Gaviria. Gaviria. Passe à Miura, le japonais, repris par Davids, le néerlandais. Allez, on continue. Oui, il n'y a pas hors-jeu. Est-ce qu'il va? Attention, c'est le but! Égalisation des Européens. Ok.
Bon, une fois de plus, quelque chose me dit que j'ai vraiment bien fait de vous proposer ce type de match, parce que quelque chose me dit que non seulement ce sera le dernier test sur ce jeu, mais en plus ce sera le dernier match sur ce test. Égalité parfaite entre la sélection européenne et la sélection mondiale. Mais comme je vous disais, ça, non seulement ça va être le dernier test sur ce jeu, mais ce serait aussi le dernier match. Oui, allez, oui, on continue. Ouh, attention, faut qu'ils fassent gaffe, les mondiaux, parce que là, ils sont un petit peu dominés. Ils sont en train de se faire, mais chahuter. Beckham. Beckham. Beckham qui passe, qui passe à Oliver Bierhoff, l'Allemand. Et c'est un corner pour la sélection européenne, qui va être tiré par Zidane. Est-ce que... Attention, attention, et nouveau but marqué par les Européens. Ce qui fait un total de 2 à 1. Ok, mais quelque chose. Franchement, j'ai vraiment bien fait de vous proposer ce genre de match. Franchement, on peut vraiment pas rêver mieux. Oh non, oh non, oh non. On ne peut vraiment pas rêver mieux. Donc, ce qui fait au total 2 pour la sélection européenne et 1 pour la sélection mondiale. Song. Repris par Del Piero. Raoul, Zidane, Beckham, Beckham. Oh oui, coup franc et faute pour la sélection européenne. Allez. Oh, attention, est-ce que non, c'est bon, ça surprendra pas le gardien cette fois. Et toujours 2 buts à 1 pour la sélection européenne. Alors on va prendre du côté des mondiaux. Allez, c'est parti, c'est parti. Gaviria qui passe à... Oh, attention, attention! Song! Et et cette fois-ci, c'est un nouveau but de la sélection mondiale. Magnifique. Franchement, magnifique. But signé Song, le Camerounais, Rigobert Song. Ok. Ça va être passionnant. Et ça va être passionnant de ouf. Song, repris par Del Piero. Oh, Raoul, repris par Gaviria. Oui, passe, Raoul. Raoul. Beckham, Beckham, du coup. Ballon toujours du côté européen. Oui, il essaie de passer, il essaie de passer. Est-ce qu'il va passer? Zidane! Ouh, joli arrêt du gardien! Et toujours 2-2 entre les deux équipes. Song. Ronaldo. Ronaldo qui passe à Batistuta, repris par Raoul du côté européen. Alors, on se bataille pour la possession du ballon. Beckham, Zidane, qui passe à Rebeckham. Est-ce que ça passait? Ouh, dessous, et encore un autre arrêt magistral du gardien. Et toujours 2-2 entre la sélection mondiale et la sélection européenne. Song, Ronaldo, est-ce que... Oui, il a marqué! Et c'est son deuxième but! Ce qui fait au total de 3 buts à 2 pour la sélection mondiale. Allez, on va voir ça au ralenti.
Ah ouais, magnifique. Franchement magnifique. Il fallait le faire. Donc, ce qu'il faut au total de 3 pour la sélection mondiale et 2 pour la sélection européenne. Mais les Europes. Bon, alors les mondiaux mènent au score, mais les Européens n'ont pas dit leur dernier mot. Attention! Parce que là, il y a une faute. Et premier carton jaune dans ce match du numéro 3. Je me demande si ce n'est pas. Comment il s'appelle? Comment on pourrait lui donner. Bon, là, qu'à dire que celui qui vient de se manger un carton, c'est Ayala le Paraguayen. Voilà. Il dit ça à tout hasard. Allez. On continue. Déviation. Oui, Raoul. Raoul est sorti de but. Ah, les Européens qui essayent tant bien que mal de revenir, mais bon, c'est sans compter sur cette excellente équipe du Mondial. Enfin, du Mondial. Allez, on continue. Bierhoff, repris par Miura, le japonais, qui passe à Ronaldo. 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 Et c'est une touche. Touche pour les mondiaux. Non, il a pas pu le capter, c'est dommage. C'est pas fini. C'est pas fini. Ikpeba. Gaviria. Gaviria. Ronaldo qui passe à Song. Batistuta. Batistuta. Il passe pas. Alors qu'on s'approche à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. Ouh, il faut sur Zidane. Nouveau coup franc pour la sélection européenne. Allez, on continue, on continue. Oh oui, force les Européens. Et hors jeu. Dire que les hors-jeux, c'est vraiment le sacré piège. Hein. 41e minute, toujours 3 buts à 2 pour la sélection mondiale. Batistuta. Batistuta qui passe à Ronaldo, le Brésilien. Et qui passe à Rivaldo. Roberto Carlos, pardon. Miura. Miura côté mondiaux. Et c'est la mi-temps. Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs, comme vous voyez au score, bah, pour l'instant il n'y a pas photo. C'est l'équipe mondiale qui pour l'instant mène les débats. Et on ne perd pas de temps, on passe tout de suite à la deuxième mi-temps de ce match. Deuxième mi-temps pour qui pour l'instant. Pour l'instant, c'est la sélection mondiale qui mène au score. Oh, de suite! Oula, joli arrêt du gardien. Donc, les mondiaux mènent 3 buts à 2 face aux Européens. Allez, Davids, le Néerlandais. Repris par Miura, le Japonais. Repris par Zidane, Davids. David, le ballon qui va être repris par Beckham. Bierhoff, coup de théâtre, mesdames et messieurs. Je vous l'ai dit, les Européens n'ont pas dit leur dernier mot parce que là, ils viennent de marquer un troisième but. Et là. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi Chilavert, le gardien mondial, n'a pas pu l'arrêter. Soit il a pensé trop tard. Enfin, il aurait pu au moins essayer de trouver un moyen d'essayer de le stopper, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je suis sûr, il était obligé de s'incliner. Allez. Et c'est un score de parité, 3 buts à 2. Entre la sélection européenne et la sélection mondiale, attention! Rigobert Song! Rigobert Song! Oh non! Qui ne supportera pas? C'est pas fini! Roberto Carlos, c'est le but!
Et un nouveau but pour les mondiaux. Incroyable, mesdames et messieurs, incroyable. Magnifique tête de Roberto Carlos. Et tout est à recommencer du côté européen. Voilà, il va être palpitant ce match. Il va être palpitant. Allez, c'est reparti, c'est parti. Ikpeba. Il passe à Rigobertsong. Rigobertsong. Repris par Roberto Carlos. Baptiste Tonnant. Ça ne surprendra pas le gardien Oliver Kahn. Allez. C'est reparti. Alexandre Del Piero qui voulait faire une passe à un de ses camarades, mais personne n'a capté. Allez, nouvelle chance pour Del Piero. Ah, qui passe à Oliver Bierhoff, l'Allemand. Bierhoff. Del Piero. Beckham! Ouh, joli arrêt du gardien. Schindler. Ikpeba. Attendez, non, je pense que celui qui a la petite chevelure, je crois que c'était Rigobertsong. C'était pas Ikpeba, autant pour moi, parce que Ikpeba, il avait pas de cheveux longs. Donc l'autre doit être probablement Ikpeba. Attention! Nouvelle chance pour les Européens de revenir. Non, 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 non. Roberto Carlos. Qui passe à Asprilla. Raoul. Zidane. Bierhoff. Oh là 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 là, le tac, le tac. Oh, et encore une autre faute. Oh là 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 là. Faute de Rigobertsong. Coup franc pour la sélection européenne. Ah, on se bataille, on se bataille, on se bataille. On se bataille. Attention, Et c'est un corner pour les Européens. Attention, les Européens peuvent encore marquer. Oh, un nouveau corner pour les Européens. Allez. Deuxième tentative et deuxième corner. Non, cette fois-ci, ça ne surprendra pas le gardien. On est à la 26e minute. Et pour l'instant, la sélection mondiale met nos scores 4 à 3. Gavi Aléa. Batistuta. Miura. Qui passe à Ikpeba. Le Nigérien. Oh, sorti du ballon. David. Beckham qui passe ça. Ah, mince, Roberto Carlos a essayé de, comment dirais-je, de capter le ballon, mais il n'a pas réussi. Allez. Beckham, David, Rebeckham, et c'est une touche pour les mondiaux. Enfin, quand je dis mondiaux, de la sélection mondiale, bien évidemment. Allez. Attention, Bierhoff. Repris par. Oh, attention, attention, David! David! Roberto Carlos! Qui passe à. Del Piero! Bierhoff! Rigobertsong! Miura! Gaviria, pardon! Ikpeba! Batistuta! Batistuta! Oh, et faute pour la sélection européenne. Ah, c'est vraiment mais un match tonitruant, hein. Allez, on continue. Zidane, attention, non, ça suffira pas. C'est pas fini. Ikpeba, Gaviria, Song.
Passe à Miura. Song. Bon, là, ça va être Baptiste Tuta. Kazu Miura. Légende du football japonais. Surpris par Bergkamp. Oh, attention, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Et joli arrêt du gardien Roger Luis Chilavert. Raul. Raul. Del Piero. David. Beckham. Beckham. Beckham, Beckham. Surpris par Miura. Ronaldo. Gaviria, Gaviria, qui passe à Song, Gaviria, encore Rigobert Song. Oh, attention, Miura, oh là là, ils sont harcelés, les Européens, ils sont harcelés. Alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure de ce match. Et c'est terminé! Eh bien, victoire! Belle victoire de la sélection mondiale qui l'emporte, mais une victoire mais à l'arraché la plus totale face à des Européens qui puissent de la sélection européenne qui ont tout donné dans ce jeu. Et bah voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc le dernier test sur le jeu Winning Eleven 3 Final Version, qui est plus connu sous le titre original, enfin occidental, de International Superstar Soccer 98, sorti en 1998, édité par Konami. Et sorti sur PS1. Alors je vous rappelle le score. La victoire de la sélection mondiale sur la sélection européenne, 4 buts à 3. Et ben GG aux mondiaux et GG aux Européens d'avoir tout donné. Franchement, GG aux deux équipes de nous avoir fait donner un très bon match. Franchement, c'était vraiment un très bon match. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. C'est comme d'hab. N'oubliez pas le... Ah oui, j'en profite pour faire un petit bilan de ce test et de ce jeu. Bah ma foi, tout comme la version occidentale, le jeu est très bien, ça va, il est classe, il est bien, il est très potable, c'est... Bref, ce jeu est testé, mais sans modération, ça. Et j'en profite également pour faire une dédicace aux fans de Konami et tous les fouteux qui me regardent. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. C'est comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut, et rendez-vous pour de prochains tests, ainsi que de prochains matchs. Ici São Paulo, au Brésil, à vos paris. Oh, et puis tant j'y pense.